Kanye West est un producteur, rappeur, créateur de mode et entrepreneur américain qui a une valeur nette de 400 millions de dollars. Lorsque Kanye était multimilliardaire, il était l'un des trois noirs autodidactes les plus riches de l'histoire des États-Unis. Kanye a acquis une renommée généralisée lors de la sortie de son album de 2004, The College Dropout. Aujourd'hui, il est l'un des musiciens les plus titrés et récompensés de la planète avec 24 Grammy Awards sur 75 nominations. Ces dernières années, il s'est éloigné de la musique pour se tourner vers le monde des affaires, gagnant au moins 100 millions de dollars par an grâce à ses diverses activités. La grande majorité de ses revenus proviennent de redevances et d'autres revenus liés à son partenariat avec la marque Yeezy et Adidas. Mais ses opinions franches et ses controverses lui ont coûté de nombreux sponsors et partenariats au cours des dernières années. Kanye possède la ligne de vêtements Yeezy à 100%. Au cours de sa collaboration avec Adidas, il a perçu une redevance sur chaque dollar de revenus généré. La marque Yeezy a généré 2 milliards de dollars de revenus par an et 250 millions de dollars de bénéfices pour Adidas. Au sommet de son partenariat avec Adidas, la marque Yeezy était estimée à elle seule entre 4 et 5 milliards de dollars. En mars 2021, une évaluation d'UBS estimait que Yeezy ajoutait 3 à 4 milliards de dollars à la valeur nette de Kanye. Le même rapport estime que l'ancien accord de Kanye avec The Gap avait ajouté 1 milliard de dollars à la valeur nette de West. Kanye Omari West est né le 8 juin 1977 à Atlanta, en Géorgie. Après le divorce de ses parents alors qu'il avait 3 ans, West a déménagé avec sa mère à Chicago, dans l'Illinois. Là, il a commencé à expérimenter la musique après avoir rencontré le producteur, DJ Noide, qui l'a encadré. Il a reçu une bourse pour fréquenter l'American Academy of Art en 1997, mais a été transféré à la Chicago State University pour étudier l'anglais. Finalement, il abandonne l'école à 20 ans pour poursuivre sa carrière musicale. Après avoir abandonné ses études universitaires, West a commencé à créer des rythmes pour des artistes locaux tout en perfectionnant son propre style. Ses premiers crédits de production officiels concernaient le premier album du rappeur de Chicago Grave, Down to Earth, en 1996. Parmi les autres artistes pour lesquels il a produit pendant cette période, citons Foxy Brown, Derrick, D-Dot, Angeletti et Harlem World. Kanye West possède environ 100 millions de dollars de biens immobiliers aux États-Unis, terrains, bâtiments et maisons. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ses achats et ventes immobilières les plus notables. Pendant leur mariage, la résidence principale de Kim, Kanye était un vaste domaine situé dans la banlieue de Los Angeles, à Hidden Hills, en Californie. Ce domaine se compose de plusieurs parcelles connectées, dont les premières ont été acquises en 2014 dans le cadre de deux transactions distinctes pour 23 millions de dollars. La première itération de leur propriété comprenait un manoir nouvellement construit sur 4,5 acres. Le couple a dépensé des millions de dollars sur plusieurs années pour personnaliser, réorganiser et agrandir la maison. En 2019, ils ont agrandi leur domaine avec deux transactions distinctes pour des propriétés voisines afin de créer un géant conjoint de 7,5 acres. Un montant colossal de 28,5 millions de dollars a été dépensé uniquement pour les transactions immobilières afin de créer le domaine Hidden Hills. Des dizaines de millions supplémentaires ont été dépensés en rénovation. La valeur imposable actuelle du domaine Hidden Hills se situe au nord de 60 millions de dollars. En septembre 2021, Kim a versé 23 millions de dollars à Kanye pour transférer officiellement la propriété à son nom. Sur ce montant, environ 3 millions de dollars ont été consacrés au contenu intérieur de la maison.